C'est clairement le setup le plus clean que tu peux avoir. Mais si, il fait frais de présent. Fait que, what's up les gens? Hey, deux plans de caméra, c'est super incroyable. Oui! Fait que, enfin, une vidéo sur ma chaîne YouTube après quoi? 4 mois? C'est bien ça, 4 mois, Jean-Paul? Alright, merci là. Passera une bonne soirée. Alright, fait 4 mois sans faire de vidéo, qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse aucune vidéo, man? Ben premièrement, faut le dire, ben c'était le cégep en fait. C'était ma première session de toute ma vie, c'est le cégep, man. C'est une nouveauté dans ma grosse vie. Changement de chapitre. T'sais. Le soleil se couche de... Attends un peu. Le soleil se couche déjà, man. Ok, ça est en train de se coucher, mais essaye de faire ça vite. Arrêtez de parler pour rien. Ok, alright. Fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 mois à cause que c'était le cégep, je viens de te le dire. Mais t'as investi ton temps dans ce qui est le plus important, ta réussite scolaire. Mais j'ai tout de même réussi à faire quand même 2 vidéos au début de la session quand c'était plus tranquille, you know. Tu sais, vu que c'était ma première session, ben c'était l'adaptation pis tout qui va embarquer pour la deuxième, tu sais. Mieux gérer mon temps, faire plus de vidéos quand je vais avoir le temps, me dire rusher plus pour avoir plus de temps libre après, you know. Fait que si je veux faire plus de vidéos en 2020, il va falloir que je rush ma vie, man. Tout faire à terre pour ce qui est de l'école. Parce que quand même, je suis pas cave, là, je lâcherai pas l'école pour YouTube. Je suis pas un asiatique qui est sa brosse à longueur de journée, moi, là. Fait que c'est ça, man. Fait que j'ai envie de faire plus de vidéos pour 2020. T'as vu, je me frotte les mains depuis tantôt, mais c'est no joke, là. Mettre dans les poches. Mettre ma veste, là, rendu là. Rien qu'on le sait plus, là. Mettre ça de même. Alright. Là, on voit un beau petit ciel, là, ici de même. Là. Ça fait. Fait clean. Hein? Fait que au programme pour 2020, les petits spots, des vidéos de meilleure qualité, ok? Comme là, présentement, là, c'était un test. Je fais 2 plans de caméra. C'est pas obligatoire. Mais ça me tentait. Ah, tu peux. J'ai rien compris. Asti que ma pucée de rire au montage, man, gars. Wow! Incroyable. Aussi, grande nouveauté pour 2020, pour vous et pour moi aussi, regarde, on va se le dire. Alors, sur Instagram, il va y avoir des petits montages exclusifs à Instagram où ce que je vais mettre des démos de Photoshop, ok? J'en ai déjà fait une que je vous affiche right now. Donc cette petite vidéo-là, il va en avoir peut-être une fois par mois, on verra. Fait que je vous invite vraiment à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste là. Fait que je le mets comme ça pour qu'il soit en 3D. Je suis fort. Ouais, petit que doué. Hey, il y a quelqu'un qui me regarde. Hey! C'est qui le câble? Fait que c'est pas mal ça pour l'instant pub. Mais il y a un mais, et vous le savez très bien, mais Guillaume. Oui, oui, il était fini, mais là, je le recommence. On se comprend de nous autres au moins. J'espère. Hein? Tu comprends-tu ce que je veux dire, toi? Ok, fait que dernière petite promotion. Ben, je suis ouvert aux commissions. Que ce soit dessin, logo, tout ce que je fais dans le fond. Je peux faire du Photoshop et tout, shooting photo. Hier, j'ai un super appareil photo qui me sert de caméra en plus. Wop, attention, ce sera pas long, je mets la vidéo en pause. Salut, c'est Guillaume du montage. Dans le fond, c'est pour vous dire que j'ai oublié de finir ma phrase quand j'étais en train d'expliquer ça, que je faisais des commissions et tout. Fait que je fais ça en post-prod. Je suis cave demain, oui. Fait que reprenons depuis le début. Si vous avez besoin d'un dessin pour n'importe quel projet, que ce soit à offrir en cadeau, pour vous faire un logo, whatever. Si vous avez besoin d'un dessin puis vous aimez mon style graphique, ben venez me contacter par DM Instagram ou Twitter ou par email justement, il s'affiche juste là. Ça va me faire plaisir de vous rendre service, mais il y a encore un mais. Sachez que je fais pas ça gratuitement, hein, tu sais, je vous rends un service, donc c'est normal qu'en retour je demande de l'argent. Tu sais, là j'ai pris comme exemple faire un dessin. Ça peut être un montage Photoshop aussi. Je fais du Photoshop, ça peut être pour rajouter de la colorimétrie. Hey boy, hein. Pourquoi il faut que je me fasse payer, c'est parce que je mets des heures là-dessus puis ce serait le fun que mon travail soit rémunéré à un moment donné, t'sais. Aussi, ce que j'allais dire avant que j'oublie tout ce qu'il fallait que je dise, finalement. Ben, je parlais de shooting photo, mais ça, c'est uniquement réservé aux gens qui me connaissent, que je connais, en tout cas. Si on habite pas si loin que ça, ok, ça peut s'arranger. T'sais, j'aurais pas fait un shooting photo si t'habites à Mont-Tremblant, mettons. Ok? Je dévoilerai mes tarifs plus tard, c'est pas encore tout à fait en place à 100%, mais on y reviendra. Sur ce, retournons à la vidéo. Là, on va switcher de place, ok? On se retourne chez nous! Parce que premièrement, je suis en train petit à petit à me transformer en bloc de glace. Mais aussi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, mais ça veut pas dire que la vidéo est finie parce que j'ai un petit unboxing à faire chez nous. Et vous allez voir ça plus en détail, ben, right now. Mais pour moi, ça va être dans une demi-heure à peu près, vu que j'ai de la route à faire. Avec la magie du montage, c'est ce qui est incroyable. On y va, suite!
J'ai tellement les doigts gelés, j'ai de la misère à claquer des doigts. C'est pas no joke, là. Man, je suis... Médium. Transition. Alright, fait que là, on est rendu chez nous, hein, comme je l'ai dit tantôt. Hein? OK. Jules Mainville, calvaire. Ouais. Ouf, Jules. Mais ta gueule. Hein? Ah, tabarnak. Alright, fait qu'on va finir par rentrer à un moment donné. Y'a personne qui va me... OK, on est good. We good. Fait que vous connaissez cette place-là, hein? C'était ma chambre. Parce que là, j'étais en congé de Noël. Hein? C'est quoi un congé de Noël, toi? C'est quoi Noël? Fait que je vous présente ici une tablette graphique, la Wacom Intuos Pro. Parce que dans le fond, à Noël, j'ai eu assez d'argent pour me procurer cette tablette. Ça me la prenait. Hein? Fait qu'on va unboxer ça, les amis. On va placer ça là. En plus, à cacher l'FPS qui joue à Fortnite en live. Allez le suivre, ce gars-là. C'est un maudit bon jack. Alright, c'est pas le sujet. Là, à cette heure, on va déballer ça, man. Comme ça, à chaud. Chaud que tantôt, hein, you know, je sais pas si j'avais. J'ai encore celle-là que j'avais avant. Donc, j'en veux, on la laisse. Aha! Damn, boy, he fit! La Wacom Intuos Pro. Pas pro partout. Benchmark. Un modèle de genre fucking 2013-2014. Vraiment obsolète, on se le dit. Marche encore bien, même si t'es sur Windows 10. Ben, ça, c'est rendu trop petit. Fait que là, on va arrêter de parler, hein? Et on va déballer ça. Fait que j'en pas, si tu veux bien t'approcher, t'es crissement loin, hein. Des têtes, me dis-toi. Oh! Des petits velcro, hein? Here's the tablet. OK, on garde le reste pour plus tard. Shake bien. On enlève de... Moins satisfaisant que je voulais que ça soit, mais... Médium. Ça va être le fun. Ouais, petit que de vrai. Ce qui est en plus, là, ce qui est génial, là, c'est qu'il n'y a pas rien qu'une tablette, OK? T'as vu le restant de la boîte? Ouais, fait que là, je me retrouve avec un deuxième crayon qui a l'air plus pro que l'autre parce qu'il y a un deuxième bout tactile, je pense, que tu le veux d'abord puis t'effaces directement. L'autre que j'ai déjà, il n'y a pas ça. Puis ça, j'avais pas ça non plus. Regarde, petite affaire de même. J'ai aucune idée de ce que c'est, by the way. Ah, yes. C'est bien ce que je pense. Mets ton crayon. Ah, wow! Venez de choper un crayon à 100$ à terre. What? Je sais pas à quoi ça sert. Ça se dévisse. C'est quoi pour se rentrer dans le... Ah! Il y a des mines là-dedans. Tu peux interchanger les mines. Fait que si tu veux dessiner plus smooth ou plus rough, tu peux changer. Il y a plusieurs options. Puis ça, le disque en métal, rien que pour faire la bouche. Pour se rentrer dans le cul, je on a ici le fil qui va te permettre de brancher ta foutue tablette à ton ordinateur, bien sûr. Sinon, bonne chance. Quoique, je pense qu'il y a Bluetooth. Ouais, fait que je vais tout plugger le shit et on teste ça dans Photoshop. Right now, ouais! Pour vrai, 2020 commence bien. Ça se peut que le son soit un petit peu pourri, OK? OK. Je vous explique pourquoi, dans le fond, où est-ce que mon bureau se trouve dans ma chambre, OK? C'est comme un genre de cocon, OK? Il y a genre trois murs de même. Fait que le son, il bounce un petit peu partout, fait que ça sonne comme de la grosse merde. Ça me prendrait de la mousse, là, isolante, comme les vrais de vrais, ils ont, tu sais. Mais bref, là n'est pas le sujet. Ce soir, on va essayer ma petite tablette graphique, ma petite Wacom Intuos Pro Medium, mon boys. On se retrouve sur Photoshop. Qu'est-ce que je dessinerais bien? Quelque chose qui est bien facile. Que je dessine tout le temps. Un petit Mario Bros, OK? Alright, on va essayer ça. Fait qu'avec cette tablette-là, ce qui est incroyable, c'est que premièrement, vu que c'est une professionnelle, you know, tu peux la mettre en mode tactile, man. Ça, c'est incroyable. Fait que t'es là avec tes doigts, tactile, c'est ça que ça veut dire, si tu le sais pas, man, si t'es pas rapport. Fait que dans le fond, t'arrives là, tu peux zoomer direct avec tes doigts. Là, la sensibilité est assez intense, me dire, là. Fucking inutile quand tu veux travailler vite, pis t'es pas là à peser les pitons de ton clavier pis tout. T'es là avec tes doigts, clac, clac, c'est fait. Pis en plus, t'as une petite roulette ici, tu peux faire la même chose. J'étais en train de dessiner la calotte trop grosse, je sais bien, mais... Médium! Puis après, t'as le stylo qui est super... comment je te dirais bien ça, man? Le stylo, il est fou! C'est là que ce truc-là coûte 100$ et tu peux le personnaliser comme tu veux. Tu peux changer la mine si tu veux que ton... Oups! T'es en train de le dévisser. T'as deux petits pitons ici, tu peux ajouter des raccourcis à ça. Si tu veux que ce bout-là, ça soit le bouton Alt, l'autre le bouton Contrôle, tu peux. Fait que je vous laisse un petit timelapse. Here we go! Thank you.
Si vous avez aimé la vidéo les petits boys and girls, ben likez, allez vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici encore une fois, guillaume.gc, où c'est que je publie des vidéos exclusives, des petites vidéos de 30 secondes, mais quand même. Fait que moi je vous casse pas plus les couilles plus longtemps, fait que là moi je vous dis ben hein, allez vous coucher, c'est comme moi je devrais faire. Ciao, bye! Bonne soirée là.